Alors, bonjour les amis, les abonnés. Alors, on va continuer et terminer la vidéo ici parce qu'elle a coupé de l'autre côté. Donc, désolé, de nouveau manque de place. Pourtant, j'avais acheté de l'espace. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, voilà. Donc, je reprends où j'en étais, je recommence la phrase et puis j'y vais assez rapidement, pas que ça coupe à nouveau de ce côté. Alors, j'en étais à l'homéopathie est efficace contre la douleur. Hein. Donc, c'est la deuxième partie. Ses performances sur les douleurs musculaires et articulaires ont d'ailleurs été attestées dans une étude récente. Donc, on parlait du cuprum et du métallicum, hein, dans une étude récente. Mais l'homéopathie soulage aussi le mal de dents et pas seulement celui des enfants ou encore les maux de tête quand la douleur est pulsatile, comme je vous ai dit, hein. Et si elle ne suffit pas, il est tout à fait possible de la compléter avec un peu de paracétamol, ce qui potentialise leur efficacité respective, ajoute le docteur Grépeau, généraliste homéopathe. Bien choisir ses médicaments homéopathiques, tenter de prendre en charge soi-même ses douleurs avec des granules s'avère cependant un peu plus compliqué que d'avaler un cachet de paracétamol. En effet, le traitement homéopathique doit tenir compte à la fois de l'organe qui souffre, du type de douleur, sensation de brûlure, de piqûre, de pesanteur, de tiraillement, de pulsation, etc., de son intensité, mais aussi des circonstances de son apparition et des événements qui l'aggravent ou l'atténuent, position, horaire, météo, etc. Ainsi, Ignatia sera bienvenue pour soulager tous les maux déclenchés par la tension nerveuse et Nux vomica lorsqu'ils apparaissent après un repas trop riche. Si, au bout de deux ou trois prises, on ne note aucune amélioration d'une douleur aiguë, c'est-à-dire récente, il ne faut pas en conclure que l'homéopathie ne marche pas, mais on garde le docteur Grépeau, mais plutôt que le remède employé n'est pas adapté. L'homéopathie est performante contre les troubles musculo-squelettiques. Depuis 2006, les laboratoires Boiron ont lancé la plus vaste étude de pharmaco-épidémiologie en médecine générale jamais réalisée en France, incluant plus de 1 000 généralistes et leurs patients. Cette enquête, baptisée EPI3, est pilotée par 12 experts que l'on peut difficilement soupçonner de partialité en faveur de l'homéopathie. Les premiers résultats concernant les troubles musculo-squelettiques, In Pharmacoepidemiologie et Drugs Affaires, octobre 2012, ces fameux TMS, donc c'est les troubles musculo-squelettiques, c'est difficile à soulager. Ils concluent que les prises en charge homéopathiques et allopathiques se valent tout à fait en termes de résultats, soulagement équivalent de la douleur et amélioration de la mobilité au bout d'un an, avec un avantage précieux néanmoins en faveur de l'homéopathie. Elle permet de diminuer de 46% la consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et même de 60% quand les troubles sont devenus chroniques, ce qui limite nettement le risque d'effets secondaires, notamment digestifs, entraîne fréquemment ces traitements. Alors, un peu d'histoire, explication de l'homéopathie en repartant au XVIIe siècle. Alors, ici, attendez. Oui, ben, ça reprend en fait, ben, ce que je vous ai expliqué avant. Pardon. Voilà. Donc, en fait, maintenant, c'était réécrit à double. Je sais pas pourquoi. Désolée. Donc, la partie 2. Donc, les dangers de l'homéopathie. Donc, la partie 2, la deuxième partie, qui est la troisième partie, vu que ça a coupé. J'espère pas qu'il y ait une quatrième partie, donc je vais faire assez vite. Alors. Danger de l'homéopathie. Le recours à l'homéopathie se révèle dangereux s'il occasionne un retard de soins médicaux indispensables.
Par exemple, en mai 2017, la presse rapporte l'émoi suscité en Italie par le décès d'un enfant âgé de 7 ans à la suite d'une infection provoquée par une otite qui n'avait été soignée que par l'homéopathie. En 2012, en France, un médecin a soigné une patiente atteinte d'un cancer du sein avec de l'homéopathie à l'exclusion de tout autre traitement et cette patiente est morte quelques mois plus tard. Selon Nick Beshing, docteur en médecine de l'Université royale de Liverpool, il est irresponsable pour un travailleur de la santé de promouvoir l'utilisation de l'homéopathie à la place du traitement éprouvé pour une maladie parfois mortelle. Et il affirme que lorsque l'homéopathie est utilisée à la place de traitements efficaces, des vies sont perdues. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le syndicat national des médecins homéopathes français refute l'effet nocif en ce qui concerne la perte de chance ou les retards de traitement imputés à l'homéopathie, selon le syndicat. Les médecins homéopathes sont avant tout des médecins à même de faire un choix éclairé sur le traitement à dispenser après un diagnostic et un pronostic rigoureux. Effets secondaires et autres risques. Les préparations homéopathiques ne contenant aucune substance active, elles sont souvent perçues comme dépourvues d'effets secondaires, mais comme pour tout médicament, les personnes ayant une intolérance à un excipient à un effet notoire, tel que le lactose, le saccharose ou l'alcool, doivent éviter les formes qui le contiennent. Selon Patrick Cousigou, professeur de médecine émérite à l'Université de Bordeaux, l'homéopathie pourrait être l'une des causes de la dépendance médicamenteuse française débutant dès l'enfance par une culture de prescription, de préparation homéopathique ou de médicaments. Il définit la dépendance médicamenteuse comme étant associée à une consommation de médicaments non nécessaire qui devrait être remplacé par une approche non médicamenteuse. Elle considère qu'il existe déjà assez de produits sans activité thérapeutique réelle dans la pharmacopée française pour ne pas en rajouter. Selon lui, il faudrait arrêter de rembourser l'homéopathie. Il estime que lui donner une image positive et défavorable aux approches non médicamenteuses. En 2017, la Food and Drug Administration, FDA, aux États-Unis, a lancé une mise en garde visant des produits homéopathiques pour les douleurs dentaires des bébés. Ces produits sont suspectés d'avoir causé le décès de 10 enfants et l'hospitalisation de 400 autres. Les produits contenaient une trop grande quantité de belladone, une plante toxique. Fin 2017, la FDA a indiqué qu'elle allait renforcer la réglementation pour les produits homéopathiques concernant notamment les produits qui contiennent des composants potentiellement toxiques. Critique scientifique des principes de l'homéopathie. Les principes de l'homéopathie entrent en contradiction avec les connaissances scientifiques modernes sur le plan de la physique, de la chimie, de la physiologie ou de la biologie. La dilution telle qu'elle est généralement pratiquée aboutit à une absence de molécules actives dans la préparation absorbée par le patient et donc à l'impossibilité d'une réaction chimique. Comment deux remèdes homéopathiques qui sont chimiquement indiscernables l'un de l'autre peuvent-ils avoir des effets différents? Pour les médecins conventionnels, si la concentration de la solution est réduite, l'effet thérapeutique tend vers zéro. Pourquoi les composés homéopathiques se comporteraient-ils différemment? Tous les échantillons d'eau présentent des traces d'impuretés naturelles et artificielles. Si les médecins homéopathiques dilués à des concentrations infinitésimales ont des effets si importants, pourquoi les autres échantillons d'eau n'ont-ils pas d'effets similaires?
De même, des impuretés et contaminations sont apportées par les excipients solides, sucre, lactose, xylitol et par les équipements utilisés pour leur préparation et leur stockage, contenant de fabrication, machines de production et d'emballage, emballage final. La déminéralisation en tant qu'opération mécanique n'aurait pas de conséquences en matière d'activité biochimique à part l'aération et l'homogénéisation du mélange. Il n'existe pas d'études peer-reviewed permettant de valider le principe de similitude, celui-ci contredisant par ailleurs l'étiologie médicale des agents pathogènes issus des travaux de Robert Koch et Louis Pasteur dans la seconde moitié du 19e siècle. Pourquoi la loi de similitude s'appliquerait-elle aux ingrédients homéopathiques alors qu'elle n'a jamais été observée pour toute autre substance utilisée en médecine conventionnelle? Concernant les principes de similitude, on peut observer les mêmes processus réactionnels et les mêmes symptômes pour des pathologies différentes, par exemple le streptocoque et l'exposition à doses toxiques au mercure. Comment peut-on bien apparaître alors l'analogie? Voilà, ça se finit comme ça, c'est un petit peu sec, mais ça se termine comme ça, donc voilà, c'était très intéressant. Par contre, je suis désolée pour la place, j'ai oublié d'en faire dans mon autre téléphone, donc j'ai pris l'autre téléphone pour faire la deuxième partie, ouais, qui est la troisième partie, mais ça n'a rien à voir, le sujet contient deux parties et l'exposé s'est composé de deux parties. Avant que ça coupe, parce que je ne sais pas le niveau de place ici, je n'ai pas regardé. Alors, dans le passé, j'avais prévu de faire l'homéopathie, donc je peux mettre à vue. Ensuite, je vous avais noté que je voulais vous raconter comment mon médecin anesthésiste me soulage mes névralgies d'Arnold. Alors ça, c'est clair que je vais le faire, mais pas la prochaine fois. Parce que j'ai déjà parlé pas mal de moi, de mes douleurs, de mes maux, de mes problèmes, de mon accident. Ensuite, j'avais parlé de faire un sujet. Là, j'avais plus rien noté, mais on a plein après. J'avais noté de faire exposer sur le lac Illié, mer Rose en Australie. Alors, pourquoi pas la semaine prochaine? Semaine à partir du 15, du 15, du 11, on verra, vous me direz aussi vos avis. Il y a aussi le lac Rose en France qui était prévu, à voir quand, mais vu que je les ai notés, j'aimerais bien les faire, ça m'intéresse. J'avais aussi prévu de faire le lac Rose au Sénégal. À voir quand, parce que le lac Rose, c'est très intéressant. Hein. Ensuite, j'avais prévu de faire le phénomène plutôt de l'arc-en-ciel. À voir quand. Ensuite, j'avais prévu de faire le système respiratoire. Alors, celui-là, je pensais le faire plutôt avant ce que je vous ai dit avant. Oui, je vous avais pas fait la vidéo sur le drame de Cire en détail avec les témoignages des rescapés. Il y a aussi ça. Là, j'avais marqué d'abord homéopathie. Donc, à faire. Donc, on va d'abord faire, pour un peu changer, le système respiratoire, semaine 15, du lundi 15. Hein. Parce que je vous avais dit quoi, moi, normalement?
je vous avais dit la semaine 15. Oui, exposé sur le lac Illier. Non, ça on reportera. On fera sur le système respiratoire. D'ailleurs, l'agenda. Ensuite, que font les oiseaux migrateurs quand ils restent en Suisse? Donc ça, à voir quand. C'est aussi un sujet qui m'intrigue. Hein, et qui intrigue certainement certaines personnes, beaucoup de personnes. Ensuite, ici, j'avais noté... Voilà, ben ça s'est arrêté ici. Après, j'ai eu mon accident grave. Que je vous ai déjà expliqué. Hein. Donc, voilà. Donc, le prochain exposé, c'est le système respiratoire. Donc, je vais vous l'agender pour le... Donc, c'est soit le mardi ou le jeudi, à partir du mardi. Donc, le mardi 16 novembre, YouTube. Si je vais bien aussi, hein. Le système respiratoire et ces maladies qui vont avec et voilà tout ce qui s'ensuit quoi, voilà, parce que je sais que les gens aiment beaucoup mes vidéos sur la médecine, le médical. Voilà, donc je suis désolée si l'exposé s'est déroulé en deux parties, mais ce n'est pas grave. Alors sur ce, je vais abréger avant que ça coupe ici parce que j'ai pas regardé la place qui restait. Alors, merci de vous abonner à ma chaîne. Ça serait vraiment sympa de laisser des commentaires. Ça peut toujours aider, donner des idées, des solutions. Après, je vous ai proposé que vous pouviez donner une idée de thème. Bon, bien sûr. Bon, là, j'ai pas eu le choix d'agender une vidéo pour la semaine prochaine. Mais pour les semaines à venir, vous pouvez me dire mais parmi ce que je vous ai dit, quoi. Voilà. Alors, n'oubliez pas de liker aussi la vidéo et de partager un commentaire. Et voilà. Sur ça, je vous laisse l'abonner. Je vous aime fort. Gros bisous à tous. Merci de votre attention. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai appris plusieurs choses. Et puis, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. À bientôt. Bisous, à la semaine prochaine. Je vous adore. Allez, ciao, ciao. Bisous, bisous.